maçon après. Moi. Tu étais d'abord paysan, puis après maçon. Paysan, quand j'étais chez mes parents. Oui, oui, d'accord. Et donc là, la fabrication, vous l'avez appris chez vos parents, ça? Bah, bien sûr, à l'époque, on faisait tout avec du chanvre. Ouais. C'est les ficelles pour les... Puis les ficelles plus grosses comme les nions et tout. Oui, mais pour les vaches, pour on les a la main. Quoi. Pour les chevaux, pour atteler, pour arrimer les chars de foin, pour tout. Quoi. Et ouais, et vous disiez que ça, ce genre de boulot, vous y faisiez quand il faisait pas bon, qu'on pouvait pas aller dehors. Quoi. Ben la veillée, souvent, ou bien il pleuvait l'hiver. C'est là que ça commence, donc on fait comme ça, et on prend l'autre, voilà, comme ça. Dessous, ici, donc je fais un tour comme ça, je passe la ficelle, je fais un tour, d'accord, je passe l'autre, et on passe l'autre, etc. D'accord. C'est parti.
faut faire 10 quoi vous dites? 10 ficelles comme ça. D'accord. Là. D'accord. Je vais en faire 2-3 et puis je ferai la finition après. Si on a fait toute une journée, le lendemain, il ne faut pas commencer. Il n'y a plus de doigts. Quand on avait fait 10, après je redémarre de là. De là, ouais. Suite, après de là, suite. D'accord. Oui, pour rattraper, quoi. Et on continue. Puis après, pour la finition, je retourne, je reviens, puis ainsi de suite. Donc 33. Voilà. Non, les enchères, ils ont moins. Là, moi, Mais c'est la cote que vous mettez. D'accord.